Victor le premier. Le Victor est arrivé. Oh, je viens de lancer le stream, t'es tout seul. Alors comment ça marche Mais non mais je viens d'arriver là-haut Non mais oh Qu'est-ce qu'il y a le Victor énervé là <laughs> putain c'est horrible Oh putain ça lag <laughs> D'accord. Donc t'as plus internet, Victor. Oui. Et par contre le bruitage. Euh le bruitage il est pourri. Mais je peux pas bouger Non mais il y a trop de monde Il y a trop de monde sur ce serveur, on peut pas bouger Non mais ce n'est pas coupé Ah putain Eh mais c'est quoi ça

Là c'est dommage. <laughs> T'as les mecs qui font des roulades et tout. Ils nous font des roulades de ouf. Non mais je suis trop nul Je suis trop nul Oh Mais je sais pas comment on fait les roulades... Euh... Comment est-ce que je fais les roulades là-dessus On vise et après on fait quoi je sais pas comment on fait. Merde, c'est pas ce bouton. Je sais pas comment je fais les roulades. Mais pourquoi on m'a mis dehors ah, voilà. Oula. Merde, il est mort. Bon, on va passer euh, à l'étape supérieure. Voilà. Étape supérieure où on augmente la qualité audio. oh ouais, on choisit ça plus tard. Euh, je sais pas moi. Oh putain, ça commence fort. Euh, C'est total bugué. Je peux rien faire du tout. Qu'est-ce qui me fait ce truc On ne peut rien faire. Ah mais voilà, OK, faut faire escape. Vous n'êtes pas renseigner l'héritage. <laughs> non mais la tête qui se tape le gars. Il ressemble à rien. et Pourquoi il a des Pourquoi il a des Putain mais l'héritage euh... Neymed. n'est pas renseigné l'héritage mais qu'est ce qu'ils veulent avec l'héritage les parents Pff, ben je crois que ça bug Eh ben on peut pas jouer pas enseigné l'héritage bon bah tant pis donc ça marche pas je sais pas comment je quitte ça en plus vu comment ça bug T'aurais dû Oh, c'est un truc vraiment à l'arrache c'est totalement à l'arrache alors tu vois c'est un REM4 regarde ça REM4 cet écran de GTA V. totalement improbable j'ai l'impression d'être dans la matrice. Je vais vous faire écouter, comme vous êtes là, le, le nouveau son. Possible grâce aux soins de Geek. Attention. C'est parti. Et voilà les nouveaux réglages audio. Grâce au tutoriel de Geek PC New. Bon, on va chercher. Le serveur de Geek. Geek PC New, le Bay Life. Oh yeah! Mon dieu, ça change tellement. Autant que ça, je veux dire. <laughs> Mon dieu! Bienvenue sur Radio! Bienvenue sur Radio Enigmatique. Aujourd'hui, nous sommes sur FR Bay Life. Cayo Perico. Le serveur préféré de Geek Person New. Alors, cette tablette. Eh bah ben la tablette, euh, la tablette, comment on te dire Je vais te montrer... La tablette, en fait, ça me donne un, un rendu identique au stylo BIC. Mais c'est compliqué quand même de... de euh, s'habituer au fait de ne pas voir la pointe de son stylo devant soi, mais sur l'écran, alors il faut se repérer. Regarde le, le truc que j'ai fait <laughs> Ceci n'est pas ceci. est à la tablette graphique et pas au stylo bille. En fait, je j'utilise la tablette graphique comme si je prendrais un stylo bille. <laughs> bon, l'avantage, c'est que je pourrais, euh, du coup, coloriser directement. Euh, je pourrais coloriser directement l'image avec un layer euh, transparent. Voilà. Oh! Oh! Mais quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ce truc? <laughs> Regarde. <-moi> <laughs> ouais, pas d'encre et pas de feuilles, ouais. Et euh, ouais, c'est ouais, possible. Le problème, c'est que ça, tu perds un petit peu un côté prestige du dessin en stylobique. Mais après, tu peux avoir une colorisation que t'as pas avec le stylo stylobique. Est-ce que, est que le stylo bic, tu peux pas colorier, tu peux pas coloriser, alors que là, tu traces sur un calque transparent, tu peux ensuite intégrer des couleurs plus facilement. Voilà, voilà. Et par contre, ouais, c'est plus rapide, je trouve, que le stylo bic... Ça, j'ai mis, mis 20 minutes à faire ce truc-là, peut-être... Enfin bon! C'est nice! Euh, c'est ça ton serveur... Euh... geek pc new faudrait qu'on trouve un diminutif oui c'est ouais c'est ça bon bah, allez -ce on va aller voir est-ce qu'on peut aller euh, on peut rentrer ou pas peut-on s'inscrire sur le serveur il y a 346 joueurs Alors, si je me connecte, qu'est-ce qui se passe Ah, j'ai pas la bonne version D'accord. Ah, je suis out de tête, ça va copier zéro émo. Oh, D'accord. Oh, la fibre Regardez cette fibre en live 240 émo en quelques secondes. <laughs> Et voilà. Bon, ça, ça relance le... M C'est bizarre parce que ça avait déjà mis à jour en plus, juste avant. Soon pour moi aussi. Est-ce que ça relance le jeu ou pas Normalement, ça devrait... Ah oui, voilà, c'est reparti. Espérons donc. Croisons les doigts. Connexion en cours. Connexion rejetée. Vous devez démarrer Discord. Non, mais sérieux. Attends, faut que je note les étapes. Il faut donc que euh, j'installe Discord. faut que je lis... 5V ma Discord. Et après, il faut que je me connecte sur le Discord. Ah, ils ont mis ça en place. Ah ouais, tu savais pas Tu savais pas, mon gars Du coup, je peux pas jouer pour l'instant. Il faut que je télécharge Discord. Ce que je n'ai pas encore fait. Je t'ai envoyé en MP le Discord. Ah bah attends, je vais peut-être montrer euh, je vais montrer vite fait à à RM4 la tablette graphique comment ça marche. Je vais te montrer mon gars C'est quoi 5VM euh, Je dirais que c'est un programme, euh, une sorte de passerelle qui utilise GTA V afin de le modifier. Si on peut dire ça comme ça. Alors, on va mettre... Euh... Il nous faut un fond transparent. Alors, couleur RVB. Vas-y, balance-moi cette technologie du futur. La technologie du turfu. Alors attends, tu vas voir. La technologie du futur. Attention. Technologie du futur. Dans 3, 2. Bah, si je trouve, pourquoi je J'ai pas l'application qui apparaît, comment ça se fait la technologie du futur, attention. Mais comment ça se fait Attends, mais c'est bizarre. J'ai un bug. J'ai un petit bug de technologie du turfu. J'ai une petit bug, alors. Alors alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe mon colonel On a un petit problème. Ouais, nous sommes sur un écran noir. Mais pourquoi ça vous affiche rien Qui qui qu pas ça Qui est pas ça, Muchacho Ah je sais peut-être. Bah, euh Eh bien c'est un live écran noir pour l'instant. <laughs> Et qu'est-ce qui me fait le truc Normalement ça devrait... Pour l'instant je ne comprends pas... Je ne comprends pas la panne qu'il y a en direct. D'où vient cette panne Ah, peut-être qu'elle est... Ah, est résolue je crois. Voilà ah Et donc, comment va Radical Ed Radical Ed, j'en ai toujours rêvé. Et là, normalement, tu vois, je prends mon pen. J'ai mon pen dans les mains. Et, dans la théorie... Oula, attends, j'ai pas le... Je sais pas ça va marcher. Pourtant, les est connectée. On va voir. Ah si, voilà, regarde. Du coup, je peux... Je peux écrire comme je... Le souhaite. Ah putain, c'est <laughs> euh, Avec différents types de pression. J'ai pas encore très bien compris comment régler le truc. Est-ce que tu peux justement, euh, si t'appuies très peu, tu peux faire des mini traits. Et plus t'appuies, plus ça fait des gros traits, t'as vu? Et donc moi j'ai tendance à pas à pas beaucoup appuyer. Est-ce qu'il est bien si tu peux faire par exemple des traits comme ça Ça marche pas mal. Là tu peux faire plein de trucs, euh, bah comme un stylo. C'est pour ça que tu peux faire un rendu stylo bille. Donc je pense que l'idée principale en fait c'est de l'idée principale je pensais de faire par exemple. Un genre de... Un genre de cube là. Alors là j'ai mis j'ai mis peut-être euh, 30 minutes à repérer mon stylo parce que j'ai juste mon repère à l'écran. Je suis sur une tablette toute noire. Donc l'avantage je pense c'est que tu fais ça. Et après tu peux avec l'onglet Photoshop coloriser normalement en dessous. Donc, par exemple, tu vas prendre du, tu vas prendre du rouge. Est-ce que tu peux pas faire avec le stylo B Normalement, tu peux le faire avec la tablette. Et alors là, tu vas pouvoir colorier. Et colorier dans. Attends, faut que je ça. Colorier normalement dans les détails. Sans toucher aux traits. Bon, c'est tout pixel parce que j'ai pris une résolution pourrie. Ah, putain, faut que je retourne à chaque fois sur mes trucs. Normalement, tu dois pouvoir. T'as vu comment c'est intuitif Du coup, je peux colorier comme ça. C'est énorme. Je peux faire des dessins. Euh, c'est l'évolution que tu peux donner. Tu peux colorier. Euh, tranquille, c'est propre. C'est presque même un gain de temps par rapport au stylo bic et tout. Tranquille, tu colories et puis... Euh, Ouais c'est super précis, je pense que tu peux faire des trucs haute résolution. Et tu vois, ça le rendu est pas mal hein Après c'est du 1080. Par contre sur le Gartic Phone, euh, j'ai regardé. Et sur le Gartic Phone, j'ai du mal. C'est pas du tout aussi précis que ça. Vous allez voir le Gartic Phone. Et Gartic Phone, oui tu es tu Gartic Phone Il va être là. Il va être. En même temps, il pas Photoshop. <laughs> c'est clair, c'est pas du tout pareil. Durée lente, admettons. Déjà, t'as pas la sensi. Après, peux... l'avantage, c'est qu'avec la tablette, tu peux te mettre en tout petit tu vois et tu peux dessiner euh, je sais pas euh, et là, tu peux dessiner un genre de Mickey déjà il y a moins de précision le sens dans le trait tu vois c'est tremblotant après tu peux faire du coup des trucs euh... après je sais pas <laughs> moi je dessine plus en prenant des sortes de modèles tu vois Voici le... un dessin magnifique d'une sorte de visage, un visage rond, tu vois, une sorte de cochon, <laughs> une sorte de cochon, un cochon à tête ronde euh... qui pourrait nous faire euh, des dents carrées. Hein ah putain, un petit coup, euh, regarde un petit coup. Euh. Du coup c'est pas mal, tu vas faire. Mais bon, euh, moi je suis... ça fait tellement longtemps que j'ai dessiné là. Je fais un peu d'anatomie. Des petites oreilles. Et voilà, tu peux faire un truc comme ça. <laughs> c'est quoi la ref? Euh, alors, c'est une. Je vais te chercher ça. C'est. C'est quoi? C'est une. C'est une U. Uyon. Uyon HS euh, 611 du coup. Elle euh, a 60 euros. Enfin, faut être prime. Si t'es prime. Euh... Ah non, t'es pas prime, toi. Quand t'es prime, t'as moins 20% d'être à 69 euros. Après, faut voir à long terme parce que c'est vrai que. Ah non, bien que. Il y a le petit ton d'adaptation avant de, de s'habituer à, à avoir son curseur à l'écran et non sur la table. Ah ouais non c'est bizarre, j'ai pas l'icône. Ah c'est parce que tu dois avoir le VIP ou je sais pas quoi. Et je t'avoue qu'après une heure, je m'habitue plus à, à regarder l'écran, j'ai plus le réflexe de regarder ma feuille. Au début on est un peu perdu. Et on... Je sais pas ce que je dessine. Euh, une... une théière. <laughs> ah et donc, on va voir, est-ce qu'on peut... Super beau, j'ai vomi. On va voir est-ce qu'on peut faire. Euh... Magnifique, attends. Un truc... On va faire un truc magnifique. Voyons voir, est-ce que je peux faire un. Est-ce que justement avec Streamlabs Prime avec Streamlabs Prime j'ai la possibilité d'interagir avec les graphi graphiques. Donc si ça trouve, pour par si je veux parler un peu de crypto-monnaie par exemple, dans la théorie je pourrais peut-être combiner On va voir, attention Attention, est-ce que je peux combiner ma tablette avec l'extension les... payante des annotations On va voir ça tout de suite. Interagir. Normalement. Je devrais pouvoir... Ah merde, attends. Ah si. Ah attends, c'est bizarre. Ah mais non, ça bug Oh, ça marche pas. Oh, je suis deg. Attends, ça marche à la souris, mais ça marche pas avec la tablette. Bon, c'est nul à chier <laughs> Je suis deg <laughs> Oh, je suis dégoûté. Et toi, ils te font un module payant qui marche à la souris, mais euh, ça, ça prend pas en compte les tablettes. J'ai beau poser, bah non, ça marche pas. Attends, peut-être faut que je reste appuyé. Ah mais non, il y a ça lag. Dès que j'appuie, ça lag. Bon bah ça marche pas. Ce module-là, il marche qu'avec la souris. Oh, c'est nul, je voulais faire des cours en professeur enigmatique avec ma. Avec. Euh Par contre, là, ça marche. Je peux bouger mon curseur sur, euh, sur OBS, mais je ne peux pas avec l'extension. 86 avec un coupon de moins 20%. Ouais. Et du coup. Du coup, je ne peux pas utiliser ça. Je suis un peu dégoûté. Dans les options... Bah, il n'y a pas vraiment d'options. Attends, je regarde. Options. Euh... Je regarde. La seule chose que je pouvais faire, c'est de dessiner en dehors de là. Non, faut, en fait, il faut... Tu dois dessiner dans une pop. Sauf que je peux pas dessiner dans la pop, donc ça ne marche pas. Peut-être une histoire de réglage. Alors on va essayer euh, de dessiner un truc. De toute façon, moi je suis plus en, en reproduction de. Enfin moi l'idée c'est de reproduire des têtes. J'aime bien refaire des têtes. Donc l'idée principale ce serait de reproduire des têtes voir un petit peu ce que ça donne. On va voir, on va prendre la tête de quelqu'un et on va on va voir ce que ça le massacre que ça va donner <laughs> en live le massacre d'une tête. Je vais mettre un peu de zikmu. Attention vos oreilles parce que c'est peut-être réglé fort. Euh, je vais voir comment je peux faire. Pour que ce soit bien. On va désactiver ça et va me mettre un peu de musique. Pas ta tête Tu veux pas, pas qu'on mette ta tête Alors nous allons prendre la tête de Rem4 en direct. Je vais mettre la dance ou je sais pas quoi. Dance machine. Ou on prend la tête de Bibi300. Tiens on va prendre la tête de Bibi300. Euh... Attendez je vous mets mon, mon autre écran. Je coupe la donc je suis pas dedans. Je vais vous remettre Photoshop. Photoshop. Euh... On va enlever la row. Et alors on va aller chercher une photo de bibi 300 Bibi 300 Je cherche une photo en live de bibi 300 Ah mais je sais je vais prendre une je vais prendre une, une miniature YouTube de Bibi300. Allons-y. Je vais sur la chaîne YouTube de Bibi300. Je trouve une tête. Ah, j'ai une tête pas mal. Je pique son image. Le Fred, comment va le Fred? Le Fred est arrivé. Ah euh, non, c'est quoi ça? Pourquoi ça ne me le supprime pas? Déjà, faut retirer ça. Ah parce que c'est un arrière-plan. On va copier. Fred qui est passé par-dessus la troisième corde. Admettons, je prends quelque chose d'une énorme résolution. On va prendre du 67 cm. Bah ben, c'est déjà énorme. Si tu l'imprimes, admettons, tu imprimes le truc. 67 cm. Voilà. Par contre, il faut que je fasse un nouveau truc. Merde, ça pas copier BB300. Coller. Voilà. Enfin, il faut la petite image, là. J'ai fait un peu de la misère, voyez-vous. Non, c'est pas grave. Ah, mais c'est quoi? Bon, bah tant pis. Alors, oh, Nick essaie d'imiter les commentateurs de catch. Et Victor par-dessus la troisième corde! Alors, voyons voir. Attention au massacre en live. Ça, en, ça on s'en fout. On va mettre notre feuille blanche. Petite feuille blanche qu'on va mettre en dessous là. Feuille blanche. Attends, c'est quoi ce bug Voilà. La feuille blanche, elle est là. Et on dessine sur le transparent pour pouvoir colorier après. Ah, tu, tu le fais Bien, attention, ils vont t'appeler sur... Ah, mais vous n'avez pas la fenêtre En fait, j'ai une fenêtre supplémentaire que vous ne voyez pointe. C'est le modèle de Guigui 300. Ou alors, faudrait... je vous la... Ah bah, c'est bien, ça va être la... le mystère. <laughs> je me marre. Vous avez une fenêtre, il y a un pop-up en fait qui est superposé que vous ne voyez point. Alors attention, c'est parti. Le massacre en direct. Le massacre arrive. Alors mon stylo, il est où?